Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on parle d'une maladie très grave de l'abeille, la loque américaine. Bon visionnement à tous. Donc, la loque américaine est une bactérie sporulante, ce qui veut dire qu'elle se propage par spores. Et c'est une maladie qui est très, très, très grave pour les apiculteurs parce que ça détruit les ruches. Donc, la loque américaine, c'est une maladie qui s'attaque au stade 2 du développement de l'abeille, donc au stade de la larve. Elle va s'attaquer à la larve, elle va liquifier la larve, donc la tuer complètement. C'est aussi une maladie qui est extrêmement, extrêmement contagieuse d'un rucher à l'autre. Comment savoir si notre rucher est atteint de la loque américaine? Eh bien, je vous montre ici, c'est un couvain en santé. Donc, vous voyez ce que ça a l'air. Il y a des larves, il y a des œufs et on voit que c'est en santé, là. Lorsqu'on a un couvain qui est atteint de la loque américaine, la première chose qu'on va ressentir lorsqu'on va ouvrir la ruche, c'est une odeur de pourriture incroyable. On ne peut pas manquer ça, ça va vraiment sentir le mort. Normalement, lorsqu'on ouvre une ruche, ça sent bon, ça sent le miel, ça sent sucré, mais lorsqu'on a une ruche qui est atteinte de la loque américaine, ça va vraiment sentir pas bon. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est qu'on va regarder, on va rouvrir un couvain, puis on va rouvrir un alvéole de couvain, puis on va regarder, puis lorsqu'on va rouvrir l'alvéole, il va y avoir de la morve comme dedans, là. Ça va ressembler à de la morve comme vous voyez là au bout de l'allumette, là. On appelle ça le test de l'allumette. On rentre le bout d'une allumette dedans, puis ça sort comme de la morve, là. Il n'y a aucun doute, on est atteint de la loque américaine. Donc, en résumé, ça sent vraiment pas bon. Une ruche, normalement, ça sent bon, mais là, vous rouvrez votre ruche, ça sent vraiment pas bon. Puis en plus, lorsque vous faites le test de l'allumette, vous percez une alvéole, puis vous vous rendez compte que dedans, tout ce qu'il y a, là, c'est une espèce de morve brunâtre là, qui pue. Eh bien, il n'y a aucun doute, vous êtes atteint de la loque américaine et c'est très, très, très grave. Première chose à faire, c'est de contacter immédiatement le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation du Québec. Ils vont envoyer un technicien pour faire les tests nécessaires pour confirmer que c'est la loque américaine que vous avez. Donc, la toute première chose à faire en urgence, c'est de contacter le MAPAC si vous suspectez que vos ruchers sont atteints de la loque américaine. Malheureusement, il n'y a pas d'autre chose à faire que de détruire le rucher lorsqu'on est atteint de la loque américaine. Il n'y a pas de médicament qui existe pour sauver le rucher. Et pour éviter la propagation, il faut vraiment détruire le rucher. C'est pas une maladie qui est très répandue et à cause de ce que l'on fait ici au Canada, c'est de détruire les ruchers lorsqu'on est atteint pour éviter la propagation parce que c'est une maladie qui se propage très facilement. C'est sûr qu'on n'espère jamais en arriver là. J'espère que vous avez aimé la vidéo cette semaine, un petit vidéo court sur les maladies de l'abeille. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Venez me visiter sur mon site web www.benchy001.ca. Abonnez-vous au canal et à la prochaine!